Le menuisier, il a surpris sa femme dans une chambre d'hôtel, moi. Lui, il a fait quoi là? Ça veut dire quoi? Ils se sont attrapés. Jatre, Rokunle Nyamaloy, Miche Lume Lume, Miche, Badenya Fache, l'Afrique n'était pas... Oh, il veut au gré? Là, il joue même sur chaise. Tiens, c'est lui seul qui sera ici maintenant. Ça, c'est bizarre. Il est passé où, même? C'est bizarre. Ça veut dire quand même, hein. Après de venir à la maison, ça veut dire que je suis arrivé ici quand même. Mais là, ça, il n'est jamais comme ça, il n'est jamais là. On va venir dans ton café. Tu n'es pas là. Oh, il n'y a pas venu boisson. Comment tu es là avec tes sujets? Il sait qu'il a toujours des choses à dire. Allez le baba. Oh, je suis pas content de toi, hein. Yeah, comment ça fait combien de jours? Tu me vois pas, tu m'appelles même là, mais c'est problème. Yeah, t'es pas mon meuf, man. C'est ce que t'as me dit. Ouais, t'es pas mon meuf. Quand on parle de sociable, est sociable là, tu me vois là. T'as pas touché à la guitare, j'espère. Et c'est quoi? Tu me demandes pourquoi? Bon, big up. Tu as commencé par là. Yeah, c'est comment? Ouais, allez. Ça va toi? Mais oui, y a t'es simple, hein? T'as raconté, qui t'a donné ça? Hey, arrête ça, c'est quoi? T'es un babylonais ou quoi? T'as quoi, mais t'as touché là, y'a quoi là? T'es bien habillé. Arrête tes conneries là, man. T'as quoi, mais touché, André, je suis une meuf là. Je suis pas une meuf. Arrête pour toi là. Moi, je te touche pas parce que t'es une meuf, hein? Je te vois pas en meuf. Yeah, mais t'es pas une meuf. T'es un mec, man. T'as quel souci toi? Tu veux quoi? Tu connais pas la guitare, man. Tu connais pas la mélodie, man. Mais si on dit, moi, je connais pas la guitare, là. Moi, je connais le son de Ahmed Faras. Ça veut dire quoi? Dieu connaît. T'as quel souci? Non, mais c'est que tu veux, là, même si tu connais pas. Non, moi, je suis pas Ahmed Faras, man. Mais tu connais pas. Je suis pas Ahmed Faras, man. Tu comprends? Il n'est pas sur les Rasta, il y a plein de Rasta, man. Ahmed Faras, il est là, il a son frère qui est là. Netsoul est là. Tu comprends? Il y a Jimmy Canson, man. Il y a Tiken Dja, il y a Alpha Blondie, man. Il y a Fadal D. Oui, mais quand eux là, ils font... Ray Melon. Quand ils font les mélodies là-haut. Yeah. On comprend. Ras Boudi Brown. Ça, ce sont mes gars, man. Ras quoi? Ras Boudi Brown, man. Tu ne connais pas? Mais tu peux pas le connaître, man. Tu ne connais pas. Tu n'es pas dans le show business, man. C'est ça, il est dans le show business. Yeah. Ce qu'il fait là, on ne comprend pas. Mais tu peux pas comprendre, man. Moi je suis dans ta main. T'es un blédard au niveau de la musique, man. Je suis un quoi? T'es un blédard, man. Non, moi je suis pas un blédard. T'es un blédard? Au niveau de la musique, t'es un blédard? Je suis pas un blédard. T'es quoi? Non, je suis pas un blédard. T'es quoi? Je suis un fan. T'es pas un watch? Quoi? Non. Bon, t'as compris, man. Attends, je suis un fan. Bon, écoute, laisse tomber tout ça. Bah écoute, on a un petit souci là. Tu sais, on a un musicien au quartier là. Il a surpris sa femme dans une chambre d'hôtel, man. Attends, lui il allait faire quoi là? Ça veut dire quoi? Ils se sont attrapés la route. Non, mais moi je t'explique, man. Non, mais Adam. La meuf elle est sortie matin, man. Écoute-moi. Elle s'est dit qu'elle va faire le marché. Et tu comprends, man. Elle s'en va faire le marché pour venir préparer, c'est normal. Là. Et la meuf elle s'en va, man. Et quand elle est partie, mon cher, elle a passé toute la journée, elle venait pas. Et le menuisier, il tient assis chez lui. Donc, on l'appelle. Si sa femme sort, lui va derrière sa femme là, dans l'hôtel. Yeah, mais qu'est-ce que tu entends, man? Tiens, nous parle en parabole, man. Yeah, tiens, nous parle en parabole. Comment? Non, mais yeah. Il t'a dit quoi? Quand il te parle, il t'a dit quoi? Il dit ça là. Ça là, c'est le parabole de Diar. Oui, ça comprends? Et là, c'est l'ordinateur de Diar, man. C'est assis toi. Yeah. Tiens, nous parle en parabole, man. Ça, c'est les quoi? Bah écoute, tu dois comprendre une chose. Le symbole du Rasta, c'est le string, man. Pardon? C'est le string. Tu vois, c'est le vrai symbole de la démocratie, man. Il divise de la gauche à la droite. Tu vois, il arrondit les bords. Il attire les masses. Tu vois, tu adores ça, toi.
J'adore ça, man. Et pourquoi tu mets dedans? Je te mets dedans parce que t'aimes ça, man. Mais c'est moi qui suis rasta. T'aimes pas le string? On parle pas de qui aime le string ou pas. Et c'est moi qui suis rasta. Mais t'es pas un rasta, je t'ai posé la question. T'aimes pas le string? Mais pourquoi tu me demandes? T'aimes le symbole du rasta, man. Mais c'est le symbole, on parle pas de moi. Yeah, mais si tu aimes le symbole du rasta, c'est que t'aimes le rastafari. Et c'est moi qui aime le symbole du rasta. Bon, je t'explique. Le gars, il a sa femme qui sort matin très tôt. Ouais. Elle décide d'aller au marché, man. On lui fait le marché comme une bonne femme, là. Voilà, tu sais comment ça se passe. Une très bonne femme, elle se lève matin. Elle va carrément regarder, elle va aller au marché, puis elle va faire le marché, man. D'accord. C'est ainsi que cette dame, elle est sortie matin, man. Ouais. Et quand elle est partie pour le marché, elle ne venait pas. Et son mari a été appelé par un monsieur, un ami de lui qui l'appelle et lui dit, bah, écoute, on a un petit marché là. Et tu sais, lui, c'est un menuisier. Donc ils arrivent, on leur dit, bah, écoute, il y a une chambre d'hôtel qui est restée bloquée toute la journée. Tu comprends? Donc on a besoin d'un menuisier pour venir décanter la situation. Man. Ouais, mais tu fais quoi? C'est un bon travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti, man. Et arrivé là-bas, il casse la porte, la serrure, il casse la serrure. Et à sa grande surprise, qu'il voit sa propre femme, man. Sa femme. Avec un misérable, man. Avec un feignant. Avec un connard, man. Moi, je te parle. Mais tu insultes. Non, mais je l'insulte, c'est un connard, man. Mais Adam, pourquoi tu l'insultes? Il a foutu le bordel. Et pourquoi? Mais il fout le bordel avec la femme des gens. Moi, je comprends les gens. Le gérant n'a pas été professionnel. Il appelle le monsieur pourquoi? Qui n'a pas été professionnel? Le gérant. Et tu voulais qu'il fasse quoi, man? Mais attends, il avait créé. Toi, quand tu as tes clients qui viennent chez toi, là, yeah. Il faut préserver tes clients. Préserver, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas les mettre en problème. Un client qui prend forme de quelqu'un qui vient à l'hôtel avec, t'appelles ça un client? Mais c'est des secrets professionnels. C'est quel est professionnel, man? Non, il n'a pas le droit d'appeler le monsieur. Et puis quand il appelle, après quelqu'un qui est dans une quartier. Ils sont en train de s'étouffer dans la chambre là. Il n'appelle personne. Il reste comme ça. Je n'ai pas dit vous pas. Il peut appeler une autre personne ailleurs. Pas le mari qui. Il ne savait pas. Il a appelé un ami, cet ami a appelé un autre ami. L'autre ami a appelé le monsieur. Eh bien, c'est les plans de Dieu, man. Mais bon, écoute, tu vois, quand on parle ça fait partie du travail, hein. Ça dit c'est que le menuisier, là, ça fait partie de son travail, c'est les accidents du travail, il n'a pas à prendre ça à cœur. Accident du travail? Oui. Ah, ben, il a divorcé la femme. Tu dis quoi? Yeah, il va la divorcer, man. Et pourquoi? Il a divorcé, man. Non. Elle a foutu le bordel. Non. Tu comprends? Non, si la femme. C'est pas une femme, ça. Moi, écoute, si la femme, là. Yeah. Si elle connaît ses droits, elle doit lui porter plainte. Elle n'a pas de droits, c'est à elle qu'on doit poser plainte. Et pourquoi? Après avoir fait 3 enfants, ce sont les enfants qui doivent lui poser plainte. Tu crois? Non, Adam. Mais moi, je te dis, les enfants doivent poser plainte contre les mères. Elle les a trahis. Le secret maternel, elle a trahi ça, man. Mais ce qui s'est passé, le monsieur, il n'est pas responsable. Oui, le mari, le gars, il n'est pas responsable. Le mari, le copain de la dame n'est pas responsable, man. Non, il a déposé pour alors. Non, c'est le mari qui est responsable, donc il divorce. C'est normal. Il prend sa responsabilité. C'est ça qu'on appelle un homme responsable. Man. Il prend sa responsabilité, il divorce cette dame-là. Qui a passé son temps à le trahir, man. C'est pas une bonne femme. L'homme peut se tromper des femmes, mais une femme tromper son homme, c'est pas bon. C'est pourquoi? C'est écrit où? C'est écrit. L'homme, tu trouves le normal. L'homme trompe sa femme. Non, je n'ai pas dit l'homme trompe sa femme. Peut se tromper des femmes. Peut se tromper des femmes. Yeah. C'est ce que j'ai dit, man. Ah non, attends, je reste à l'heure. Faut prendre les gens sérieux. L'homme peut se tromper des femmes. L'homme peut se tromper des femmes. Mais la femme ne doit pas tromper de son mari. Ah non, la femme ne peut pas se tromper de son mari. Elle ne doit pas se tromper de son mari. L'homme peut se tromper de sa femme. Yeah. Demande-moi pourquoi, man. Bon, okay, je t'ai toujours dit, quand tu ne comprends pas, demande-moi pourquoi. Mais il ne faut pas me parler de ton gars encore. Parce que c'est. Explique-moi. Non, parce que je te le dis simplement, parce que c'est femme qui séduit, man. C'est pas l'homme qui séduit la femme. Une femme qui te laisse séduire par. Si tu parles la beauté d'un homme, mais t'es pas une femme, toi. Yeah, c'est la femme, Dieu a donné tout à la femme pour séduire l'homme, man. Quel que soit l'homme, quelle que soit sa manière d'être, c'est la femme qui peut séduire l'homme. Mais un homme qui séduit une femme, c'est que toi, la femme, t'as un problème. T'as un problème. Tu n'as jamais vu ça, quoi. Non, j'ai pas dit il n'y a pas. Justement, mais c'est pas bon. S'il y a ça, c'est que la dame, c'est pas une femme, man. C'est pas une meuf. Yeah. On est dans le 21e siècle, on n'est pas dans le 1900. Oui, 21e siècle. Actuellement, vous n'étiez pas là. Mais dans quel monde? Dans quel monde comment? Ah, mais c'est là le problème. Hein. Là, ça t'a un souci. Hein. J'ai un souci avec cet homme, c'était l'enfoiré, man. Il a foutu le bordel. S'il était responsable, la femme n'allait pas
le tromper. Et puis dans un hôtel en plus. Qui est ce qui était. Ah, tu veux qu'il vienne faire ça dans sa chambre conjugale, c'est ça? Non, mais c'est pas mal dans sa chambre. Ah, mais tu dis, mais en plus, dans un hôtel. Mais non, en fait, moi, je ne comprends pas. En fait. Ah, après l'hôtel, c'est quoi? Une résidence privée. C'est parce que le monsieur n'a pas été responsable. Allez, de quoi? Si un homme, normalement, la femme trompe par qualité. Si tu vois que tu ne viens pas d'hôtel là-bas, normalement, là, c'est quelqu'un qui avait les moyens ou bien qui était mieux là. Il allait l'envoyer quelque part dans un bon coin. Les 5 étoiles là, tu penses c'est pas hôtel? Et toi tu penses c'est dans 5 étoiles là. Bon c'est dans 5 étoiles et puis il y a un problème série. Série à 2000. T'as jamais vu ça? Non. C'est toi ça. Tu me donnes le prix de série, moi je savais pas. Toi tu es un habitué de l'hôtel. On parle de l'hôtel. Non mais c'est ce que tu viens de dire. Tu n'as pas besoin de mettre mon drap dehors. C'est ce que tu viens de dire man. Tu n'as pas besoin de mettre mon drap dehors. Ah c'est ton drap. Ah moi je l'ai dit comme ça, je savais pas. Nous sommes à l'hôtel. Tous. On va tous à l'hôtel. Moi j'ai pas moi j'ai cherché la vidéo. Moi j'ai sorti. Tu t'avais des sorties, moi tu m'avais ri. Tu t'as mis des gars de quartier là-bas. Oui, mais cache moi. Oh. Et c'est pas une go d'ici, c'est pas une meuf d'ici. Hein. Ah bon hein. D'ailleurs, man. C'est une go rasta. Celle que tu as vu, c'est une go rasta. Mais elle était bien. Yeah, mais c'est une go rasta. Les rastas sont toujours bien, man. Non, mais non, c'est pas juste toi. C'est pas comme go, go Babylone. Comment ça? Oui, toi tu prends que le go Babylone. Le go Babylone est différent de go rasta. Yeah. C'est la même chose là. Écoute, moi je te dis un truc. Le Rastafari, comme je l'ai dit, le Rasta prend pour symbole le string. Mais les go Rasta ne portent pas de string, man. Arrête de dire. Non, mais c'est que ça. Non, porte pas, man. Non, porte pas ça. C'est juste le symbole. Tu comprends? Arrête de mêler enfants des gens. Comment tu veux que l'on les go Rasta? T'as enfant? T'as enfant? Oui, moi j'ai enfant. Je suis enfant de quelqu'un aussi. Ah, je comprends. Mais je te pardonne, tu veux dire quoi par là? Je comprends si t'es vraiment un enfant. Mais écoute, moi je dis non, moi je suis pas un enfant, mais. Et toi tu fais quoi à tes parents que tu es un enfant toi? Ils acceptent. Moi je suis pas un enfant. Mais c'est que tu dis, arrête de parler de. Non, le Rasta, symbole de Rasta, c'est le string là. Moi je n'ai jamais vu ça string affiché quelque part où c'est le symbole de Rasta. C'est où mais ça? Comment t'as connu le string? Mais attends, tout le monde sait comment on connaît le string? Non, on sait ça. C'est pas tout le monde qui sait comment on connaît. Ah, ouais. Et toi, tu as connu ça. Non, mais tous les adultes. Non, mais reste là. Ali, t'es pas sérieux. Mon symbole là. T'es pas sérieux, toi. Non, c'est pas le symbole qui nous fatigue. Ah, mais ça va vous fatiguer. Ça nous fatigue. C'est le symbole de Rastaman. Mais c'est pour ça que tu me fatigues. Ça crée, ça divise les gens. Écoute, non, ça ne divise pas les gens. Comment ça? Non, c'est le symbole de la démocratie. La démocratie n'a jamais divisé les gens. La démocratie a toujours arrangé. Vous comprenez? La démocratie, elle met la gauche à la gauche, la droite à la droite. Et tu comprends? Et qui porte ça? Voilà. Le string à qui porte? Ah, c'est à qui tu demandes? C'est à toi qui demande. Si moi je dis que là, ça divise là, parce que c'est la femme qui porte là. Ouais, en fait, de menuiser là, sa femme l'a trompé là. C'est parce qu'elle a fait le string là. Ah, donc toi, tu penses qu'elle s'est promenée en string et puis le gars l'a vu, moi. C'est ce que tu as envie mais de dire. Mais elle porte ça ou bien elle porte pas? Non mais comment tu veux dire qu'elle est en train de se promener en string et le gars l'a vu? C'est ce que tu es en train de dire? Non, c'est pas. Alors mais pourquoi tu dis? En même temps tu trouves que c'est normal ce que la le mari a fait est normal. T'attrapes ta femme, je dis ta femme, c'est pas ta copine man. T'attrapes ta femme avec un enfoiré dans une chambre d'hôtel, tu la vires man. C'est la mère de tes enfants. Tu peux pas savoir. C'est pas un négocier, man. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que non, ils sont venus se donner des gens, ils se donnent des idées. Et dans une chambre d'hôtel, man. Dans une chambre d'hôtel. Mais où t'as le problème faire d'abord? Bon, je te demande. Tu vas accepter que ta femme va dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un? Mais je te demande d'abord. Tu peux appeler son cousin. Oui. Et puis le cousin vient dire, ouais, c'est ma cousine. Ah bon, je vais avec elle dans une chambre d'hôtel pour lui donner conseil, t'acceptes ça? Mais c'est pas, en fait, je ne pourrais pas refuser le monsieur qu'elle a dit qu'elle partait au marché. Non, tu allais accepter ça, man. Mais c'est pas de mon conseil. Yeah. Moi, je pense que c'est le gérant qui est crête. Le gérant, il n'a rien foutu. Il a sauvé des vies. C'est-à-dire, au lieu de les laisser étouffer dans une chambre d'hôtel, hein, ils ont signalé. Et le gérant, il a tout fait, il n'a pas pu. Donc, il a appelé un menuisier qui est venu décanter la situation. Maintenant. Quand il s'agit du comportement de la dame, hein, celle qui a laissé son mari pour aller chercher un autre mec, bon, quelque part, je suis un peu d'accord avec toi quelque part. Où je suis d'accord avec toi, c'est pas le fait qu'elle laisse son mari pour aller chercher un autre mari qui fait que je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce qu'au de nos jours, il y a beaucoup de mecs qui marient les femmes. Man. Les femmes sont là, ils n'exploitent pas ces dames-là. Ils ne les utilisent pas. Man. Comprenez? Il est responsable.
L'envie peut pousser une femme à faire d'autres choses qu'elle-même elle ne veut pas. Tu comprends? Ça peut être un mouvement dans sa tête, chap-chap, et puis le mouvement chap-chap est bloqué. Et ça peut être un mouvement chap-chap, et puis à partir de chap-chap, elle ne peut plus arrêter. Elle doit continuer, parce que le mec, il ne fait rien. Vous voyez? Donc, quelque part là, bon, je ne l'accuse pas trop, mais je pense que ce n'est pas pour autant que tu vas laisser ton mec, ton mari, hier, toi, en tant que mère de 3 enfants, aller foutre la merde. Mais en fait, c'est ça, en fait. Est-ce que le monsieur là, a déjà envoyé sa femme en même temps? Est-ce qu'il faut changer les lieux? Oh non, arrête ça. Mais faut changer. Non, arrête ça. Comment ça? Arrête ça. Non, mais reste on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas avoir une chambre, hein? Et puis aller encore dans une chambre d'hôtel au quartier. Faut changer. Il y a 3 enfants, tout ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la maison. Faut innover, reste là. Mais attends, quand le premier enfant est venu, est-ce qu'on n'a pas fait? Deuxième est venu, est-ce que c'est pas passé? Ah, comment tu sais pas? Tu sais pas qu'il y a deuxième qui est venu? Bon, il y a troisième, t'as dit, il y a 4 même. Yeah. Mais ok, il y a quelque chose que moi je vais te demander. Il y a eu 4 enfants. Yeah. La femme, elle va dehors. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il finit au chop. Arrête de m'insulter. Arrête de m'insulter. Non, elle go trap you. Ah, bah, tu peux tout dire, mais faut pas. Yeah, c'est pas bien, man. Comment m'insulter? Non, ce que tu dis, c'est pas bon, man. Ah, puis quoi, chop là, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi ça? No go chop. C'est quoi ça? Elle go trap you. C'est quoi? Yeah. Wow! Non, tu m'insultes en baoulé. Wow! Hé, hey, tu écris quoi? Y'a quoi? Hé, hey, attends, tu comprends pas l'anglais, man. Je dis go. Alors, c'est anglais, tu parles comme ça? Yeah! Oh, sérieux ça? Vraiment au sérieux? You say, man? Mais, moi, anglais, tu m'as appris à l'école, ça n'a rien à voir avec. À l'école? Hey, I feel good. Thank you very much, man. You say? Bon, thank you very much, ça veut dire quoi? Non, tu connais pas ça? Je vais te demander ça seulement. Est-ce que tu connais pas? Je connais pas, dis-moi. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord, man. Thank you very much. Yeah. Ouais. Y a plus rien à dire, c'est ce que j'ai dit, man. Ah. Oui, je dis, je suis d'accord, y a plus rien à dire. Thank you, ça veut dire que j'ai compris. Ok. Resta. Yeah, ok. Alors, qui a dit ça, comment on parle anglais? Let's go, man, you know go job. If you don't go job. Resta. Hey, go see. Ça, c'est pas mieux du pas. Hey, go die for me, man. Et puis, bon, tu comprends pas l'anglais, man. Attends, c'est pas la peine que je me fatigue, man. Yeah. Comment tu peux te concentrer pour me mentir comme ça? Non, je suis pas concentré. Tu n'es pas concentré? Non. Mais comment faire? Et puis les mots viennent. Moi, je comprends rien. Mais je comprends, man. Je comprends que tu comprends pas. Tu vois, en fait, c'est vous qui encouragez les femmes à tromper les maris. Et comment? C'est vous. T'es sûr que c'est pas ce que tu voulais que je dise? Ce que tu viens de dire. T'es sûr que c'est pas ce que tu voulais mais que je dise? Mais justement, je suis là de dire le monsieur ne devait pas divorcer sa femme. Yeah, c'est pas toi. Est-ce que c'est pas ce que tu voulais que je dise? Que c'est vous qui encouragez les femmes à tromper les maris? Parce que si elle veut tromper qu'elle est divorcée, je pense que ce n'est plus une histoire de tromper. C'est oh là là! Oh là liberté. Les femmes là, elle, c'est normal qu'on la drague, c'est normal qu'elle est de yeah, c'est normal qu'on la drague, ça oui, c'est normal, mais c'est pas pour autant, elle va se donner à n'importe qui, man. Une femme, c'est le symbole même de la vie. La femme, c'est la vie. C'est la procréation, man. La femme, c'est l'usine de Dieu, man. Est-ce que tu comprends ça? C'est plus que ce qu'on dit. La femme, c'est l'usine de Dieu, man. Est-ce que tu comprends, man? Yeah. On plaisante pas, man. Oh, mais en fait, moi, récemment, j'ai dit, je ne comprends pas. Mais tu prends sa défense comme si c'est ton frère ou comme si c'est toi. Il y a quoi? Mais tu allais lui dire. Je allais lui dire, j'ai dit, écoute, divorce ta femme, man. Yeah. Donc, t'es je l'ai dit, man. Tu es à la base de ça. Yeah. Non. Et c'est 3 enfants là-bas, comment? Yeah! L'obé, Alan. C'est bon, je comprends pas. Hein. On dit, on parle de la famille, on met la famille devant. Wow! Toi, tu dois pas donner Seigneur de conseil? Yes! Et les amants seront divisés. Wow! Voilà ça. Écoute-moi, il y a tellement. Arrête de crier. C'est quoi? Tu vas crier? Wow, c'est quoi? Tu vas prendre ça, tu vas aller. Il vous tape, you? Tu comprends pas, reste. Arrête ça. Non, arrête ça, reste. Yeah. Arrête ça. Yeah. À un moment donné, il faut arrêter. Tu quoi, man? Anglais. Tu n'es pas anglais? Non, tu vas. Je comprends pas anglais, man. Non, tu comprends. Mais si je comprends pas anglais, mais pourquoi toi tu veux que j'arrête? Non, mais ça t'a pas de faire, arrête ça. Sinon, tu comprends pas. Mais fais tu as dit là. Ça n'a rien à voir avec anglais. Thank you. Thank you, tu dis ça, j'ai compris. Thank you very much. J'ai dit que j'ai compris. Digo Sammy. Les si t'as pas les noms de Samy là, t'as pas de problème, hein? I did it. Pour secondaire, non, du fétiche. Faut laisser ça là. Yeah! Faut laisser ça là. Wow! Mais là, ouais. Yes. Bon, tu veux dire quoi? Non, tu veux dire quoi là? Bon, come to Bingley Hops. Come to Bingley Hops. Bon, si tu veux. I go, my go.
maintenant. Bon, tu as venu ajouter guitare encore dessus. Allez, moi, je sais que les gars, ils comprennent ça, ça veut dire quoi? Tu es chanté? Yeah. Tu sais qu'ils font guitare, ils chantent au moins. Ah, mais chante. Tu chantes comme ça? Yeah. Bon, faut, moi, je peux pas dire que je. Non, je peux pas chanter pour toi, man. Tu te payes pas le cachet, man. Bon, il paye cachet. C'est très avare, man. Même le café, tu ne peux pas payer, c'est pas le cachet. Il paye cachet. C'est le même C. L'autre C, tu ne payes pas. C'est pas le deuxième C que tu vas payer, man. C'est pas grave. Tu n'arrives pas à payer le café. C'est pas le cachet que tu vas payer, man. Grâce à un pays, mais tu. Yeah, bon, donne le cachet d'abord, man. Tu n'as pas encore chanté, Dieu, que je donne le cachet. One love, left, he get together, you are. Rasta. One love. Attends, tu peux chanter, mais pas faire ouh là-bas. Hé, attends, on ne peut pas chanter one love sans faire ouh. Y'a quoi? T'as quoi? Mais tu chantes bien, puis tu dis ouh. Ah oui, mais c'est comme ça, man. Non, Rasta, on va faire ça. Yeah, sur le côté, bon, Marley a mis dedans comme le chien, man. Que tu fais? One love, left. C'est un loup, man, un loup. Left, he get together, man. Ooh, you're around. C'est pas en français, j'entends. C'est pas en français, j'entends. Et c'est en quoi? One love, c'est en anglais? Est-ce que moi je dis en quoi? Mais là, c'est un loup. Là, quand t'as un loup, là, il crie comme les loups. Reste à même c'est vraiment sur. Tu comprends? Non, en fait, moi, je comprends pas. Non. Regarde, c'est mieux. Bah, écoute, c'est en français. C'est mieux. Moi, je pars. Tu pars comment? Non, je pars. Mais il faut comment boire ta fouille. Ça va quoi? Comment on boit ta fouille d'abord? Et qui va payer? Moi, je veux te voir, tu me demandes de temps, moi, c'est pas café que tu vas me donner. Mais je te donne toujours, je vais pas passer ma vie à te nourrir, man. Grâce à ça. Yeah. Moi, c'est moi qui paye café, c'est toi qui n'auras juste 2,25 et il ne veut pas. Tu n'auras 2,25. Comment café, tu n'auras 2,25? Non, c'est un problème, c'est un problème. Si tu veux pas qu'on en ait 25, mais pourquoi me fatiguer pour payer encore? Non mais tu payes aujourd'hui, ça fait quoi? Tu payes, moi, tu es bien, ça paye aujourd'hui. Moi, c'est la première fois que tu habilles, c'est comme ça. Hein? Yeah, man. C'est la chaleur, man. Tu connais ça aujourd'hui? Yeah. Et puis tu portais combien de habits ici à 6 là? Ça ne te regarde pas, man. Oh, non, oui, ça ne me regarde pas. La température d'un rasta, man. Tu ne peux pas comprendre. Je t'ai dit que Dia me parle en parabole. Tout ça. Yeah. En fait, et là, c'est l'ordinateur de Dia, man. Bon, ok, tu as l'ordinateur de Dia. Yeah. C'est ce que tu as fait avec la dame, là. Tu es content? J'ai fait quoi avec la dame? Tu as divisé une famille. C'est pas moi qui ai divisé la famille. Non, une famille qui a fait 3 enfants ensemble. La maman a foutu la merde. Mais on fait des erreurs dans la vie. Pas des erreurs comme ça, man. Non, mais moi je comprends. Moi, je n'ai jamais compris l'homme. Quand on est dans une relation, dans un foyer, dans un mariage, yeah. Quand c'est l'homme qui trompe, la relation continue. Il s'est trompé des femmes. Man. Écoute-moi. Et quand c'est la femme qui trompe, elle a trompé son divorce. Mari, man. Et tu t'as des têtes pour me dessus. Et tu trouves ça normal? Ben attends. Non, c'est pas normal. Moi, je te pose une question. Quand on prend l'eau, on met dans un verre. Oui. Et quand on fait comme ça, ça veut dire quoi? Quand on fait comme ça, oui. On fesse? On fesse. Oui, et oui. Quand on fait comme ça, on boit? C'est fini. C'est pas le même nom, man. Oh, reste à moi. C'est pas le même nom, man. Mais arrive-moi. Je t'explique. Pourquoi je te le dis? Oui. La femme recueille, l'homme injecte. C'est pas la même chose, man. Tu comprends? Donc la femme, là, quand elle va avec un autre homme, elle envoie l'homme chez toi. Tu comprends? Et quand toi tu vas ailleurs, c'est-à-dire toi tu injectes ailleurs. Mais quand la femme, elle s'en va, elle envoie ça chez toi. Là. Donc il y a ce qu'on verse et ce qu'on prend. Donc tu penses que quand on baisse là, ça fait pas mal à la femme aussi? J'ai pas dit ça fait pas mal. Non, là on parle pas de question de faire mal. Oui, mais c'est une affaire de cœur. Ah, c'est une affaire de cœur. C'est ce que tu as dit. Oui, c'est le cœur des enfants, t'as pensé à ça? Mais c'est quoi, man? L'idée d'une mère auprès de ses enfants, man. On te dira que ta mère a été attrapée dans un hôtel. L'idée d'une mère auprès de ses enfants, man. Réfléchis un peu, man. Les enfants, ils pourront rien faire, man. C'est très compliqué, ça. Tu comprends? C'est là le blème, man. Ben écoute, moi je pars, en après, man. Yeah. Mais avec une situation comme ça, il faut qu'il voit des gens pour m'aider. À faire quoi? Il faut qu'on ait des idées pour l'amener à comprendre au monsieur que non. Yeah, mais je pense que les gens peuvent envoyer des commentaires. Ouais. Voilà, ils peuvent envoyer des commentaires. Voilà, celui qui voit, mais qui l'envoie des commentaires, qui donne son avis, man. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah, bon, voilà. Cas, sinon, le gars, il est dans les blêmes, hein. Et la dame, elle est dans les blêmes. Et le gars, non seulement il divorce sa femme, il pose plainte contre l'autre monsieur. Parce qu'ils se connaissent bien. Celui qui l'a trahi là, il le connaît bien. Moi, il comprend pas que c'est pas que tu es incapable. Tu n'as pas satisfait ta femme que non, on te trompe et tu t'as posé plainte. Il a s'exposé. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il est incapable? Mais moi, j'ai jamais dit. Bien sûr, on dit. Tu l'as une fois vu à 2h du matin.
ou à 3h du matin. Comment ça? Ils sont dans ensemble, comment ils jouent là? Ah, alors tu dors pas à côté de lui, donc tu sais pas comment il se réveille, man. Ah, Rasta. Hier. Mais si tu dis qu'il est bien comme ça là, pourquoi ça va pas là-bas? Big up, big up. Et puis tu me laisses d'en bas. Yeah. Donc pas de café, rien. Yeah. That's good money, no good job. I did it. Arrête de m'insulter. Tu dis au revoir là, c'est bon comme ça. Big up. Ah, vraiment, j'ai besoin vraiment qu'il déjà puisse m'aider. Parce que Rasta me coince, coince seulement. Non, mais il n'y a pas resté ici sans chose. Sans rien. L'Afrique, on n'était pas comme ça. Parafine.